Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ludos JV. Ici Migaoui pour une nouvelle vidéo sur l'emplacement d'un vaisseau que nous espérons superbe, blanc. J'aimerais ça qu'il soit blanc, mais je ne l'ai pas vu. On va le faire, on va le voir, on va travailler ça ensemble. Mais avant de commencer, naturellement, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous à la chaîne. La petite clochette aussi, les commentaires, très appréciés. Et naturellement, les pouces bleus. Prenez le temps, s'il vous plaît, de mettre le pouce bleu. Ça nous aide énormément. Plus vous mettez des pouces bleus et des commentaires, plus YouTube nous pousse. C'est comme ça. Petite précision aussi. Lors de la dernière vidéo, je vous ai montré un vaisseau. C'est cool et tout et tout et tout. Je me suis rendu compte, parce que j'ai farfouillé sur la même planète, j'étais curieux. Et j'ai trouvé un autre vaisseau. Okay? Je ne vous l'ai pas montré, je ne vous donne pas les coordonnées parce que ça ne change rien. En fait, le premier était tout noir. Le deuxième était tout noir avec une petite tache blanche au-dessus. Il n'y avait pas assez de différence pour que je me casse la tête. En fait, il n'était pas plus beau que l'autre. Tout noir, il était mieux. Donc, on va aller là-bas. On va juste faire ça ici. Je pense que je les ai mis ici. Ouais, c'est ça. J'en ai quatre. Ouais, c'est vrai. Je peux pas. Ouais. Je peux pas les faire ici. Il faut que je change de système. Je sais pas pourquoi d'ailleurs qui fait ça. Ouais. Écoutez, je vais changer de système, puis je reviens. Bon. Écoutez, je suis arrivé, j'ai changé de système, je ne sais pas pourquoi, ça ne marchait pas. Et je me suis battu, j'ai eu une... Ouais, et là, il m'appelle, là, tu vois, merci, bonsoir. On va juste régler son cas. Mettre fin à la communication, je m'en bats les steaks, merci, bonsoir. Oui, on va y aller. Ben, pas là, on va aller là. Donc, j'imagine que ça va être un campement. Ben, en fait, j'imagine que ça va être un campement. Et, ben, écoute, avec ce campement, on va faire la même chose qu'on a fait dans les dernières fois. Et, c'est quoi ça? What the fun is... Hey, c'est quoi cette affaire-là? What? C'est quoi ça? J'ai jamais vu ça, moi. Attends, mais on va juste se tasser un peu. Ben, voyons donc, man. J'ai jamais vu une tête. C'est quoi ça? Le tombe du roi de l'océan. Je suis censé faire quoi avec ça, moi? Ben voyons donc, écoutez, on va jeter un œil. Écoutez, mettons que c'est un intermède, là. J'ai aucune idée qu'est-ce que je peux faire avec ça. Faut-tu que je le détruise, quoi? Ben voyons donc, hey, j'ai jamais vu une tête de même. Ah, oh, un cadeau a été offert. Nouveau trésor enregistré, squelette ancien. Ah oh, ben, t'as, ouais. Ah ben, merci. On peut y aller? Ben écoutez, j'ai jamais vu ça. J'ai au total 300 ou 300 quelques heures. Là, dans ma game, j'ai 200 quelques heures. Mais naturellement, avec les enregistrements, des enregistrements et tout ça, puis les autres games que j'ai faites en parallèle, j'ai plusieurs centaines d'heures. J'ai jamais vu ça. Juste voir, il est où mon squelette? Il est là. Ouais, ben écoute, c'est la première fois que je jouais ça. Hein. Alors écoutez, on continue notre bon chemin. Et on se revoit là. Et regardez-moi ça, mon vaisseau. C'est pas beau, cette petite bête-là. Hein? T'es plus beau de l'autre bord, parce qu'on te voit mieux. Regardez-moi ça. Pas beau, ça? Bien. On va arriver. On va essayer de raccourcir la vidéo un peu. Parce que le but, hein, c'est que vous voyez, en fait... Ok, tu l'as mis sur une colline. Ah, tu vas atterrir où? T'as de la misère à te décider?
Man. C'était l'élite. Bon, on va laisser les autres scraps tranquilles, là. Ça m'intéresse pas. Destination atteinte. Bon, on va faire une première affaire. Voici les coordonnées de la planète. On va aller dans l'ombre. Hein, c'est bon comme ça, ça devrait aller. Donc, vous le voyez, prenez-en note. En fait, prenez une capture d'écran. C'est fait. Bing bang. Et les coordonnées maintenant, avant que je l'oublie, du campement. OK, -66.56, -94.49, et c'est ça qui est ça. Ça ressemble à... Ouais, on va aller voir ça plus tard. On va débarrer tout ça. Allez. Scanner les registres. J'ai trouvé le truc par moi-même. Je me trouve tellement bon. OK. Donc, le glyphe numéro 15. OK. Bougez pas. C'est le 15. C'est le 9. Et c'est le 14. Qui sera le gagnant? Accéder. Allez. Refuser, rejeter. Non, c'est ça. Non, ça ici, entrer les glyphes, on rentre ça, c'est le 15, l'autre c'est le 9, c'est souvent le 9, hein? Les trois que j'ai eu à date, là, c'est le 9, ça va être là, et le dernier c'est le 14. Merci, bonsoir. Désactiver le saut de multi-outil. Allez, on fait ça vite. On fait ça. On va localiser le pic. Bonjour. Bon. C'est fait. Et maintenant, le petit chose, on va aller voir si c'est quelque chose qui vaut la peine. Pour pantoute. Bonsoir. J'en ai déjà un. Vous l'avez eu, en fait, dans l'autre vidéo juste avant. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y. Là, on va aller chercher le vaisseau, les coordonnées en fait. On se retrouve là. Nous sommes à 9 secondes. Mon Dieu, c'est quoi ça? Ah, il était pas loin. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. C'est tout une surprise. Dis-moi qui est beau. Dis-moi qui est écœurant. C'est quoi cette affaire-là? C'est Monac. Ah ben. J'ai vu une vidéo. Hey, attends, mais je viens de voir de quoi. Minerai lumineux, cristal flottant. On va venir te chercher après. Parce que normalement, quand tu fais ça, les sentinelles n'aiment pas ça. Fait que... Ouais, il est assez. Ça peut pas être plus simple que ça. Écoutez, moi, je le prendrai pas. Mais c'est un. Ben, je sais pas, en fait. Ouais, on va le réparer. On va l'emmener dans l'espace. On sait jamais. Il faut donner la chance aux coureurs. J'ai remarqué, j'ai vu une vidéo sur un modèle similaire à ça, puis le gars marquait très rare. Bon, c'est rare en yob. Je l'ai trouvé assez rapidement. C'est un C. Réclamer le vaisseau, de toute façon, on va
s'en débarrasser le moment venu. Voilà. Et on va aller dans l'espace E. Dans l'espace E. Non, avant d'aller dans l'espace E, on va juste faire ça. Prenez les coordonnées. Si c'est le genre de vaisseau qui vous intéresse, -61.24, -91.50. Donc, c'est à droite de votre écran. Je le pointe du doigt, là. Hein? Je le pointe du doigt, là. Vous devez le voir. Suivez mon doigt, là. Et c'est ça. Ben, écoute, c'est un vaisseau assez simple. On va l'essayer, de toute façon. Attends une minute. On va le mettre comme ça. Et quand on rentre dedans, juste pour vous montrer de quoi ça a l'air. Ouais, j'adore ça tout le temps, j'adore. Puis naturellement, ça, c'est toujours pareil. Là. Il n'y a pas de grosse différence. On va retourner dehors. En fait, la vue externe, puis on va y aller. Là, il est petit en tabouin. Ben, il est cool quand même. Écoutez, on va aller faire une image parce que... Ouais, pour être petit, il est mini. C'est une étoile jaune, fait que la couleur va être... Ben, remarquez, il est noir. Il est tout noir. C'est notre poil des jambes. Non, c'est pas ça, pas en tout que je veux faire. C'est plutôt... ceci. Voilà. Hey, regardez-moi ça. My God. Ça peut pas être plus simple que ça, là. Hein? Ouais, c'est simple rare. Si vous avez les petits vaisseaux simples, qui n'ont pas de fioriture, c'est ça? Ben écoutez, c'est ça. Ça. Ouais, j'aurais mis un peu de couleur, moi je sais pas. Des points roses ou. Alors écoutez, c'est Amigawi pour Ludos JV. J'espère que vous avez apprécié. Même si c'est un vaisseau un peu bizarre, un peu petit. Mais comme on dit dans la nature, il y en a pour tous les goûts. Alors écoutez, ciao les amis, c'est Amigawi pour Ludos JV. N'oubliez pas le pouce bleu et le pouce bleu. Et pourquoi pas le pouce bleu. Ciao.